Bonjour à tous, je suis Auguste Zomé, je suis psychiatre en périnatalité. Je travaille à l'établissement médical de la TEP dans la Drôme. Nous sommes heureux de vous annoncer la parution bientôt de la traduction du manuel de psychothérapie interpersonnelle de Scott Stewart et de Michael Robertson. Ce livre sera, je pense, un immense outil pour des collègues qui viennent se former à la psychothérapie interpersonnelle. Ça pourrait être aussi l'occasion pour vous de découvrir cette approche et de vous former par la suite. Scott Stewart lui-même est psychiatre, donc professeur de psychiatrie en périnatalité. C'est une des autorités dans le domaine de la psychothérapie interpersonnelle en périnatalité au niveau mondial. C'est un grand clinicien, un excellent formateur. Son livre aborde les bases de la psychothérapie interpersonnelle, les réactualise et les rend particulièrement vivants. C'est un livre qui a vraiment une immense richesse et finesse pour les cliniciens, mais également qui donne accès aussi à l'ensemble des études, des recherches et des bases théoriques. La psychothérapie interpersonnelle n'est peut-être pas suffisamment diffusée. Il y a un certain nombre de raisons historiques à cela. En tout cas, moi-même, mes collègues proches, Créatype, un groupe de psychiatres passionnés en France, dont je fais partie également, vont depuis plusieurs années pour faire en sorte que la psychothérapie interpersonnelle soit connue. Je dois citer également Michel Dunia et ARIP, Association pour la recherche et information en périnatalité d'Avignon, que certains collègues connaissent, a énormément soutenu ces efforts, y compris les efforts de la traduction. Je pense que la psychothérapie interpersonnelle, c'est vraiment une approche complémentaire d'autres approches psychothérapiques qui sont connues dans notre pays, qui pourraient réellement changer la manière de travailler des professionnels et surtout amener un immense plus pour nos patients. Je suis heureux de dire que cet intérêt augmente de plus en plus. Nous avons de plus en plus de personnes présentes à nos formations et nous avons aussi bientôt le Congrès international de la psychothérapie interpersonnelle qui sera organisé à Lyon en 2019. Si vous travaillez dans le domaine de la psychiatrie, psychologie ou psychothérapie ou d'autres professions associées, si vous souhaitez vous former à la psychothérapie interpersonnelle, le livre enfin en français de Scott Stewart, un des manuels de référence dans ce domaine, est une bonne place pour commencer. Et puis par la suite, peut-être que vous découvrirez l'ensemble des autorités de ce domaine à Lyon en 2019. Merci encore à ARIP, à l'établissement médical de la TEP et aux éditions RS.